Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. On va parler d'une enceinte, la Duo 10 E7, une enceinte complètement immergeable, une enceinte waterproof, une enceinte que vous pouvez jeter à la piscine. Franchement, c'est une enceinte qui déchire au niveau basse. Vous allez entendre le son, une enceinte qui s'illumine de mille feux, la Duo 10 pour moins de 50 euros. Vous allez pouvoir faire des appels téléphoniques. Vous avez donc un endroit où mettre une carte SD, une enceinte complètement immergeable. Avec cette enceinte, vous pouvez aller vous doucher sans aucun problème avec, écouter vos meilleures musiques, écouter vos meilleurs livres audio. Enfin, la Duo 10 E7 IPX7. Comme d'habitude, si cela n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à m'encourager. N'hésite surtout pas à partager, à liker si tu as envie de voir des vidéos high-tech, des unboxings, des tutos en tout genre, car je viens de recevoir pas mal de produits domotiques. Je peux te dire qu'il va y avoir du lourd dans les prochains jours. Allez, on va tout de suite déballer la Duo 10 E7. C'est parti les amis. Alors je viens tout juste de recevoir cette toute nouvelle enceinte connectée, la Duo 10 E7, alors E7 pour EPX7, une enceinte complètement immergeable. Vous allez pouvoir vous doucher, vous allez pouvoir aller à la piscine avec cette enceinte, une enceinte d'extérieur, vraiment un petit bijou. On est sur un package très soigné. On va avoir avec cette enceinte des possibilités ultimes. On va tout de suite la déballer. C'est parti. Alors, on est sur une boîte rectangulaire avec sur le dessus l'enceinte qui est donc dessinée en lisse. Le package est franchement beau. Ouvrons tout de suite cette boîte. Et sur le dessus, on a tout de suite une petite carte VIP, vraiment très sympa cette petite carte qui vous annonce la bienvenue. On a donc une petite mousse qui protège notre enceinte. Allez, on enlève tout de suite notre enceinte de la boîte. Voici donc la Duo 10, une très belle enceinte. Je peux vous dire qu'elle est ultra sympa, compatible iOS Android. Déjà équipé d'une Dragon, donc cette enceinte, vous allez pouvoir la porter au poignet. Elle rentre parfaitement bien en main, on la tient parfaitement bien. Elle a vraiment de grande qualité. Côté son, vous allez voir que c'est une enceinte qui est magnifiquement bien proportionnée en termes de basse, de médium, en termes d'aigu. Vous avez un son qui sort de là-dedans qui est vraiment ultra sympa. On va continuer donc l'unboxing. À l'intérieur, vous allez retrouver un petit carton qui va vous donner accès, bien sûr, au câble. Alors, pour recharger cette enceinte, vous êtes donc équipé d'un câble de type C vers USB-A. Alors, un très bon avantage d'avoir une connectique de type C pour recharger votre enceinte plus rapidement. Avec cette enceinte, 24 heures d'autonomie, c'est-à-dire vous avez une journée complète d'autonomie et ça c'est plutôt cool. Ultra cool puisque vous allez retrouver un câble jack vers jack, ce qui veut dire que vous allez pouvoir connecter votre enceinte à une télé, à un ordinateur, à une autre enceinte, vous allez pouvoir la jumeler à votre smartphone ou votre tablette si celui-ci possède encore un port jack. Sur le dessus de l'enceinte, vous avez un panneau de contrôle, la touche play pause que l'on ressent très bien avec le petit signe distinctif, la touche plus et la touche moins. Et sur le côté, on peut remarquer qu'il y a une toute petite trappe que vous pouvez lever. C'est à cet endroit qu'on va découvrir le port jack et le port micro SD. C'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer une carte micro SD avec par exemple vos meilleures musiques, avec vos livres audio et pourquoi pas avec vos sons de films. Si vous voulez écouter des films à partir de cette enceinte. Alors plusieurs types de formats pris ensemble, hein, FLAC, WAVE, MP3, MP4, etc. Donc pas de souci avec cette enceinte. On va passer maintenant au côté appairage, c'est parti. Et bien sûr, au fond de la boîte, on aura la notice qui sera donc complètement en français, sans problème. Vous allez retrouver comment appairer
votre enceinte, comment utiliser les boutons, puisque les boutons ont une particularité et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour allumer la Duo 10, on appuiera quelques secondes sur le bouton lecture. Une fois que vous allumez votre enceinte, sur le dessus, on peut s'apercevoir que il y a un halo. Il y a donc les lumières qui clignotent et dans la nuit, je vais vous montrer ça tout à l'heure, dans la nuit, c'est franchement ultra génial. Parlons un peu spec, son poids, sa taille, c'est parti. Vous avez bien compris, on est donc sur une enceinte entièrement nomade, une enceinte portable IPX7. C'est-à-dire que vous allez pouvoir immerger, asperger, prendre votre douche avec cette enceinte sans aucun problème. Avec cette enceinte, vous avez donc un son en 360 degrés, puisque sur le devant comme sur l'arrière, vous avez donc le son qui sortira. Le tour de cette enceinte est entièrement en tissu, très sympathique au toucher. On aura donc des basses profondes, 24 heures d'autonomie. Alors côté prix, vous allez trouver cette enceinte aux alentours des 42 € et je vous mettrai tous les liens en description. On est donc sur une connectique Bluetooth 5.0 munie d'un auxiliaire entrée in et équipée d'un lecteur de carte SD. Beaucoup de possibilités en termes de connexion avec cette enceinte. Alors ce type d'enceinte, ce type de haut-parleur est de type donc 3D extérieur. C'est vraiment une enceinte pour tout temps d'extérieur, près de la piscine, sous la pluie. Avec cette enceinte, vous allez pouvoir aller partout au camping, c'est vraiment le top. Côté couleur, on est sur une enceinte noire avec sur le dessus marqué donc Duo 10. Et c'est à cet endroit d'ailleurs qu'on a l'enceinte qui s'illumine de plusieurs couleurs. Alors côté dimension, on est donc sur une enceinte de 9 cm de largeur, 9 cm de diamètre pour 11,8 cm de hauteur. Donc une petite enceinte mouse costaud. Le dessous est fait donc en caoutchouc pour éviter que l'enceinte ne glisse sur une surface. Côté poids, on est sur un poids de 437 grammes. Un des gros avantages avec cette enceinte, c'est que vous pouvez les associer, avoir un son stéréo. Si vous en achetez deux, vous pouvez les jumeler ensemble et avoir un superbe son. Et là, vous allez voir déjà juste avec une, imaginez avec deux. Par rapport à la connectivité Bluetooth, vous avez donc une connectivité de 20 mètres. La certification IPX7, ce qui va lui permettre en fait d'être immergé n'importe où sans avoir peur de l'eau, et ça c'est plutôt cool. Protection contre la pluie, la neige et les poussières. Côté puissance, on est sur une petite enceinte qui délivre du 20 watts avec donc un très bon son en termes de basse. On va tout de suite passer à l'appairage et comme d'habitude, vous vous dirigez dans vos paramètres ou vos réglages Bluetooth. Une fois que vous avez allumé votre enceinte, elle clignote comme ici, elle attend d'être appairée, c'est parti. Maison, carte, réglage. Bluetooth, activé. Une fois que vous êtes sur Bluetooth, vous recherchez le nom de l'enceinte qui s'appellera E7. Bluetooth, désormais des E7, bouton. Tout de suite, l'enceinte apparaît, on la valide. E7, connexion en cours. Un petit son vous dit que vous êtes bien connecté à votre enceinte. Vérification. En tête. AirPod Pro de Christophe. Non. Bouton. Ça envoie vraiment du lourd. Alors, maintenant, si j'éteins l'enceinte, est-ce que mon iPhone va être libéré seul? Est-ce qu'il va reprendre la main tout seul? Je l'éteins. Clavier de Christophe Taquet. Non. Bouton. Mon iPhone a donc repris la main seul. On va voir maintenant si je rallume l'enceinte, si elle reprend la main sur l'iPhone. Bureau 4, BTFA, non, bouton. Apple Watch de Christophe, non, bouton. Action disponible. Ça a mis donc 12 secondes pour que je puisse récupérer la main sur l'iPhone. AirPod de Christophe, non, bouton. Comme vous avez pu vous apercevoir, en éteignant et en rallumant votre enceinte connectée, elle libère votre iPhone et elle récupère le son au bout de 12 secondes. Plutôt cool. Calendrier, mode édition, activé, photo. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Voilà, donc le réglage volume bas c'est bien exécuté. On va tester le volume haut. Appareil photo, mode édition, mail, horloge, plans, météo, rappel. Parfait, ça fonctionne nickel.
gotta get out of here tonight. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? Alors bien sûr, on peut avancer sur les pistes en gardant enfoncé le bouton plus et reculer en gardant enfoncé le bouton moins. Écoutez le son que cette enceinte dégage, c'est vraiment énorme. Allez, passage obligé à la douche, c'est parti. Ultra beau. Vous allez pouvoir vous doucher sans aucun problème avec cette enceinte, c'est vraiment ultra génial. Alors gros test ici avec le robinet dans le lavabo. Alors les amis, comme vous avez pu vous apercevoir, je l'ai mis dans des conditions ultimes. Je l'ai mis sous la douche, je l'ai immergé complètement dans le lavabo. Et comme vous pouvez entendre, elle fonctionne toujours. Elle se trouve même dans la piscine. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle enceinte? Avec cette enceinte, vous allez pouvoir barouder là où vous le désirez. Cool, non? Alors, comme vous l'avez deviné, si j'avais une enceinte à vous préconiser, ça serait vraiment la Duoten. Cette enceinte complètement waterproof, sous la douche, à la piscine, sous la pluie, en balade, partout où vous désirez. C'est vraiment le top. Voilà, cette vidéo touche à sa fin avec cette mini enceinte connectée Bluetooth 5.0, la Duoten. Vraiment une enceinte ultra géniale en tout terme. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. Et surtout donc, je compte sur vous pour les likes, pour les petits commentaires. Dites-moi si cette vidéo vous a plu surtout. Et on se dit à très vite, certainement pour une prochaine vidéo. Si vous aimez donc les vidéos high-tech, vous aimez les vidéos tuto, démonstration, déballage, vous aimez les vidéos avec ce genre de petites enceintes, je vais donc en recevoir d'autres. On fera ça ensemble. Donc...
compte sur vous, les amis. Et surtout, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de voir que vous me suivez de plus en plus nombreux. On a dépassé donc les 63 600 abonnés. C'est vraiment génial, tous ensemble sur la Team Vision. Allez, allez, c'est parti, je compte sur vous. Et tout le monde s'abonne. A tout de suite. Wouhou, 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 wouhou.